pâté. Il métamorphose tous les clients. Faut que je trouve une issue. En fin de compte, j'ai plus très faim. Il est bon. Voiture 521, on signale une horde de pâtés enragés. Ouais, ouais, mais c'est ma pause, là. S'il vous plaît, restez en pause. Jamais, Krabs. Tu n'en as pas assez de ces combines pour vendre tes pâtés? Arrête de te rabaisser à un tel niveau, Eugène. Regarde-moi ça. Tu as gâché de vrais cornichons pour un costume ridicule. Dans du pétain des fonds, voilà ce que j'en pense. Mangez-nous. Bien grand, allez! Non, le petit train chouchou! Non! Moi, c'est pas si mauvais! Qu'avons-nous fait au pâté originel? Pourquoi avons-nous délaissé ton parfait équilibre? À table, Bob l'éponge! Sans façon! C'est impossible de s'aventurer dehors. Attendons que ça se calme. Un peu plus tard. Ici Perch Perkins. Je me trouve en direct depuis le crack croustillant. Il semblerait que je sois l'une des trois seules personnes ayant survécu à l'anarchie causée par les pâtés contaminés. Le deuxième individu préservé de la contagion est dans cette poubelle. Quelles sont vos impressions sur la situation? Perch Perkins, vous saviez que j'étais là? Je faisais un somme dans cette poubelle quand vous êtes entré pour vous y réfugier. Une collation! Non! Oh, où se trouve la troisième personne qui n'est pas touchée? Plancton! Le sang de l'enfer! Ça y est, Karen. J'ai ramené les 152 sacs de pâté pré-cuit du premier choix. Mais je ne vois aucun client passer la porte, c'est insensé. Bob l'éponge, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et les clients, tu peux me dire comment ils vont entrer? Ce ne sont pas des clients, Plancton. Ce sont des zombies contaminés au pâté de crabe qui veulent être dévorés par les gens. Et on est les derniers survivants! Des zombies monstres au pâté? Ha! Permets-moi d'en douter. D'accord, c'est bon, je te crois! Non! Une seconde! Je ne veux pas! Qui veut une tranche? Ah, je déteste les araignées! Ah, Vous n'avez pas
Merci, Carlo. Pitié, loup. Il faut encore plus de limonade noire. Il y a quelqu'un. C'était quoi? Il est parti. Qui est là? Quoi? Oui? Ça y est, j'ai peur la tête. Est-ce que c'est un cauchemar? Oh non, je sais plus. Je suis une nappe hantée. Oh non, pas la musique de comptine terrifiante. Papa. Merci, papa. Le crabe croustillant? Mais je suis arrivé comment? Oh non, je crois que j'ai pas envie d'entrer. Un journal a une autre date. Il a 60 ans d'avance. Non, je ne veux pas regarder. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Non, par pitié. Que peut-on vous servir, jeune homme? Bobo. Cher Carlo, si tu veux boire de la limonade noire, va au bout de la file. Eh oui, tout le monde fait la queue pour être servi. Quoi? De la limonade noire? Vous vendez ça en tant que boisson rafraîchissante? Eh, hey, on double pas! On pourra depuis ce matin! Oui, ça va, ah, comme tout le monde! Ah, mais c'est non, mais pas ça vrai, va pas, non, il faut tout qui arrête de blesser! Vous essayez de me dire que vous buvez ce truc-là? Oh, c'est délicieux, sans la star. Vous n'avez pas soufflé, vous encore? Comment seriez-vous si je vous disais que vous pouvez boire la limonade noire directement à la source, hein? Oui, ouais, on adore boire la source. De la source, incroyable, c'est ça, ça. D'accord, et où est cette fameuse limonade noire? Mais oui, cher client, immédiatement. Ah, il faut que je récupère un petit peu avant d'en reproduire. Vous allez voir, c'est génial. Allons, Hey, monsieur, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Alors servez-moi donc mon verre de limonade noire. Voudriez-vous bien me faire peur, s'il vous plaît? Je vais faire mieux que ça, mon pote. C'est une catastrophe. Carlo va rater son audition pour l'orchestre philharmonique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on va créer un clone de Carlo dans un laboratoire de savon fou. Patrick, tu es un génie.
Patrick, ça n'a pas marché. Oh, c'est pas vrai. On s'est donné à fond. On a tout essayé. C'est un échec cuisant. Ah, si seulement on pouvait se faufiler en lui, ni vu ni connu, et le contrôler comme une marionnette. Oh, je sais. Si on pouvait se faufiler en lui et le contrôler comme une marionnette. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette idée débile? La tienne. Ah, que ça m'a l'air d'être un plan d'enfer. Plus tard. Voilà le topo. Toi, tu prends le contrôle de ses bras et de ses jambes, et moi, je m'occupe de son cerveau. Ça marche. Comment tu te sens? Ça va. Allez, monte sur mes épaules. Bon, je me lance. Voyons voir si j'arrive à faire parler Carlo. Je m'appelle Carlo et je pense que Bob est un abruti complet. Oh, c'est fou. Et t'as exactement la même voix que Carlo. On jurerait que c'est lui. Je te rappelle qu'on a une audition pour l'orchestre philharmonique de Piccadilly Bottom. Allez, c'est parti. Désolé. Ce truc-là est mal vissé. Et c'est qui cette hurluberlue? Il s'agit de Carlo Tentacule. Apparemment, il vient auditionner pour la place de clarinettiste. Bon, très bien. Quand vous voulez. La clarinette. Où est sa clarinette? Mais vous, je l'ai. Pourquoi tu l'as mise là? J'avoue que sur le moment, dans le feu de l'action, j'ai pas pensé à l'audition. Voyons voir, son talent clarinettiste doit se trouver quelque part dans ce bazar. Oh, il faut juste que je lui presse le citron à fond. C'est bon, merci. Suivant. Ah, c'est époustouflant. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Oh, je suis à l'audition, je joue, mais je n'ai pas le contrôle de mon corps. C'est comme si quelqu'un s'était emparé de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Je perds le contrôle de Carlo. Je dois reprendre le contrôle. Son style sort des sentiers battus, mais il faut bien reconnaître que son interprétation est absolument extraordinaire. Je crois que je pourrais pas contrôler son cerveau plus longtemps. Moi non plus, je peux rien faire, Bob. Et qu'est-ce qui se passe, Bob? Patrick, vous m'avez squatté. Mais comment vous avez atterri là? Sortez de mon esprit, sortez de mon corps. Allez, bouge dehors. Ta-da. La coupe est pleine. Je vous préviens, ma vengeance sera terrible. Quel génie! Vous êtes un prodige. Vous m'avez envoûté. Merci. Oui. Allez-y, jouez. Faites-moi planer, maestro. Ah, comme je vous envie, petit vénard. Car vous allez avoir le grand, que dis-je, l'immense privilège de m'entendre interpréter la magnifique symphonie numéro 5 en do dièse mineur, composée par le talentueux Gustave Mollusque. Je suis enfin redevenu moi-même. Carlo, l'œuvre est l'unique. Ouh, le film commence. L'hameçon du pêcheur, descendez de la balançoire. Ce qui sont naïfs. Il va les attraper. Il va en faire du poisson pané. Je veux pas voir ça. Est-ce que ça fait encore peur? Attends, je jette un coup d'œil. Merci d'être venu à mon rendez-vous, Edwina. Minuit. Tu peux regarder. T'es sûr? Ah, quelle horreur! Ils s'embrassent. Je t'aime, Suzy. Moi, c'est Jennifer. Je ne te quitterai jamais, Jennifer. Adieu, Margaret. C'est lui le pêcheur! Ouais, ça va pas, quoi, c'est une bête! Pardon. Des heures plus tard, regarde si ça fait peur. Oh, le film est fini! Oh zut, on a presque rien vu! On a qu'à le revoir, et cette fois, ça sera en entier! Allez, garde les yeux ouverts! Pas de problème. J'adore manger des glaces. Patrick, je commence à avoir peur. Retiens mes paupières. Compte sur moi.
Hé hey, mon cornet de glace. Ma glace au chocolat noisette. Tu dois fermer les yeux. Trop peur. Oh, j'arrive pas à retenir tes paupières. Elles sont trop musclées. Non, non. Oh non, on a raté le film. Quoi ? À que encore ? Ça fait rien, on va le revoir. Je crains que non, c'était la dernière séance. Quoi ? Quelle heure est-il ? Il va être minuit dans une minute. Il est minuit dans une minute ? Mais c'est l'heure où sort le méchant pêcheur ! Mais vite Patrick, il faut qu'on rentre. Ah, le méchant pêcheur ! Ces cervelles de mollusques de rencontrer le vrai méchant pêcheur. C'est fou ce que je m'amuse. Eh oh. Y'a quelqu'un? C'est quoi ça? Y'a un truc qui me chatouille. Attendez une seconde. Ah ouais, là c'est bon. Un petit peu à gauche. Ah ouais. Ah là, oh juste là. Oh. Je t'ai eu. Le méchant pêcheur! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. Réveille-toi, il est là. Qui ça? Attends, laisse-moi allumer la lumière de ta figure. Voilà. Alors, qui est là? Il y a quelqu'un ici? Tu viens de le dire. Oh oui. Oh, le méchant pêcheur. Le méchant pêcheur. Le méchant pêcheur, il est là. Au secours. Écoutez-moi ces deux cornichons. Quelle bande de dégonflé. Je devrais arrêter, mais c'est fou ce que je m'amuse. Oh, c'est presque trop facile. Aide-moi à bloquer la porte. Et tout ça sans effort. Y'a rien d'autre. On peut encore mettre ça. Pas Gary. Tu crois que ça va tenir? Je sais pas, mais j'espère. Peut-être que si on le regarde pas, il va disparaître. Ah oui, comme dans le film. Je suis l'abominable méchant pêcheur. Il n'y a rien de mieux que passer 18 heures au royaume du gant. Mes pieds ont besoin de repos, par contre. Les miens, ils ont drôlement faim. Ah, dommage qu'il soit trop tard pour aller au crabe croustillant. Mais donc t'es ouvert. Tu vois, hein? Monsieur Krabs n'a pas mentionné qu'on était de service. Salut les gars. Oh, tu es très populaire. C'est un peu mon repère ici. Yeah. Oh, hey, Patrick! Ça fait longtemps, mon vieux pote. Hey, Jennifer, hey, Chuck. Bien le bonsoir. Amuse-bouche, monsieur. Je vous propose un filet d'isopode parsemé de polypes et ses excréments de corail gluant, avec un soupçon d'algues marines. Je me permets, mon bon monsieur.
Pas mal. Veuillez m'excuser. Désolé, mon pote. La clientèle est vraiment différente le jour. Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Enchanté, mademoiselle. Mais c'est qu'il est charmant. Tout le monde se met à plat ventre. C'est le pêcheur. Non, pas le pêcheur. Mais non, par ici, la monnaie. Non, pas ça. Soyez le bienvenu, monsieur, au crabe croustillant. Oh, à bout de la monnaie. Si c'est de l'argent qu'il vous faut, je peux vous en prêter. Quoi? Quel effronté, celui-là! Un prêt pour le pêcheur? Je préfère les braquages. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des bannières. La police du grill vous ordonne d'arrêter. Oh, c'est vrai. On va voir ça. Pas si vite. On dirait que mon plan était bien huilé, en fin de compte. Du calme, les amis. Le fauteur de trouble est hors d'état de nuit. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais exactement? J'affronte les criminels. C'est pas un criminel. Il travaille ici. Il nous braque tous les soirs. Il y a une tradition du service de nuit. Oh, une tradition du service de nuit. Oups, désolé pour le désagrément, monsieur le gentil pêcheur. C'est rien, te fais pas de bile. T'es sacrément doué pour la pêche. Respect. Oh, vous êtes pas mal non plus. Écoutez, un nouveau membre rejoint l'équipe dans le service de nuit. Tu t'appelles comment? Bob l'éponge carrée. Bob l'éponge trouée. Oui, c'est à peu près ça. Une tournée de carbopâté pour tout le monde. Je paye. On y va. Oh, déjà. Je suis là. Barry. Merci de m'avoir remplacé, Bob. Oh, mais je t'en prie. Oh, vous allez me manquer, les amis. Carlo, on a réussi. On a trouvé le premier objet. La sorcière. Une sorcière. Je ne vous ai jamais demandé de ramener une sorcière. La précieuse sorcière du désert a servi les meilleures sauces depuis l'Antiquité avant d'être volée par... Je ne sais pas faire de sauce, mais je fais de bons sandwichs. Ta-da! Oh, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Enlevez-moi ce truc! Qu'est-ce qu'on doit aller chercher maintenant, Carlo? Comment on va trouver un monstre dans le noir? On voit rien du tout. On n'a pas besoin de le trouver, c'est lui qui nous trouvera. Je suis un très grand artiste. Et revoilà ces pauvres clowns. Nous revoilà. Le monstre du Loch Ness. Mais comment vous l'avez trouvé? Trop facile. Cornemuse. Il aime le son de la cornemuse. Non, il déteste ça. Mais il adore les manger.
Allez, faut manger, manger. Il nous manque toujours un truc. Il lui faut un petit coup de zapette. L'étincelle de la vie. Il est vivant! Vivant! Monsieur Krabs a l'air tout débile à l'intérieur. Il n'a pas eu une journée facile. Tout ce qu'il lui faut, c'est une piqûre de rappel pour qu'il sache qui il est. Vous en faites pas, Monsieur Krabs. On va vous remettre sur pied avant votre rendez-vous, je vous le promets. Je suis prêt. Vous y avez passé ma carapace. Je fais pourtant très attention de ne pas la perdre. Oh, je vais être en retard. Je dois repasser à la maison pour prendre un costume. Ça va pas être facile. Si j'arrive à faire assez vite, personne ne verra mes parties à Tim. Très bien, Monsieur Krabs. Voici le dernier test. Qu'est-ce que vous préférez, l'argent ou les cookies? Pas les cookies, pas les cookies, pas les cookies. Le pognon. Oui, vous êtes prêt pour séduire Madame Puff? J'ai réussi. Oh, papa, t'es en train de gâcher ma soirée pyjama avec toute l'équipe de majorette. Qu'est-ce que je... Monsieur K, on veut voir votre popotin en aucun cas. C'est-à-dire que... Là, mon costume doit être quelque part par là. Ah, le voilà. Oula, il date pas d'hier, celui-là. Bon, ben, j'ai pas le choix, hein. Ma petite bête, attends-toi. C'est là, Monsieur Krabs, on y est. Souvenez-vous de ce que vous avez appris et tout ira bien. Bonne chance. Et faites bonne impression. Oh, est-ce que c'est toi, Eugène? Oui. Oui. Ça alors, tu es à l'heure pour une fois. Oh, j'en ai de la chance. Oui. Et qu'est-ce qu'il est accommodant avec ça? Oui. Oh, Patrick, on a certes ramené Monsieur Krabs à la vie, mais c'est l'amour qu'on a sauvé ce soir. Puff, ma Puff, tu es là. Je suis désolé d'être en retard à notre dîner. Tu es là. Non, mais y a personne. Elle ne voulait jamais attendre au restaurant. Oh, j'espère qu'elle m'attend sur place. J'y cours. Oh, entre nous, je n'ai pas l'impression d'avoir le même Eugène devant moi ce soir. Tu fais preuve d'une qualité d'écoute qui est très agréable. Mais ce nouveau parfum est terriblement viril. Oh, Eugène. Oh, je trouve que tu as de beaux restes, si tu veux mon avis, Eugène. Oh, tu me plais, tu sais. Oh, Patrick, le dîner se déroule très bien. Ça va, je ne vous dérange pas, là. Les craques, je suis là, ma petite princesse. Quoi? Qui c'est ce guidon qui veut me piquer ma femme? Oh, ma petite peuf, tu es à moi. D'un barbe noire, je peux savoir ce qui se passe ici? Tu sais qui c'est? J'en sais rien du tout, mais on peut pas rester sans rien faire ou il risque de tout faire capoter. Désolé, Monsieur Krabs, désolé, Madame Puff, passez une agréable soirée.
En tant qu'intermédiaire entre ce monde et le monde des esprits, je commence à présent cette séance. Je vais invoquer le spectre de Rusty Ricketts par la lecture du texte sacré. Vinaigre distillé, eau minérale, graines de moutarde sélectionnées, sel, curcuma, paprika, arôme naturel. Maintenant, j'appelle l'esprit de Rusty Ricketts. Maintenant, j'appelle aussi l'esprit du Rusty Ripaille. Oh, le Rusty Ripaille. Mais il est où, Rusty? Comme les femmes. Rusty Ricketts? Le fantôme du resto! Je croyais qu'on appelait la recette du gigot d'agneau. Je reste pas ici! Je vais chercher de l'aide! Au secours, protégez-moi de ce monstre! Quand il dit monstre, c'est dans le meilleur sens du terme. Allez, finis les incantations et la cagaillerie. Il est temps de se mettre au travail. C'est quoi ça? Mais oui, c'est un rusty à l'ail. Messieurs, rejoignez-moi. Le numéro 9 est de retour. Hey, vous, je vous ai pas appelé. Toi, non, mais l'odeur du numéro 9, si. On l'a senti depuis tout en bas. Je dirais qu'il n'y a plus de vernis. Je vais en chercher. C'est vrai qu'ils sont un peu terrifiants quand même. Mes amis, cette petite soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans ce bon vieux Rusty. Faisons tous une ovation d'enfer à Rusty Ricketts. Bon, messieurs, je voudrais pas être trouble-fête, mais il est un peu tard pour faire tout ce bruit. Il est temps de partir. Oh, Rabat-Joie a décidé que c'était plus nous, les clients. Il veut plus qu'on s'enracine, qu'on s'incruste. Non, attendez une minute. Ici, c'est une propriété privée. Maintenant, vous devez rentrer chez vous. Ah ouais? Il faut que j'appelle... Un ectoplasme. Allez, ça se fait comme ça. Faisons la fête comme au bon vieux temps. On va s'amuser comme des fous. Toi, t'as intérêt à avoir une excellente raison de m'avoir tiré de mon lit. Elle est assez bonne pour vous. Patrick, allez! Je suis désolé, Bob. C'est la partie de l'épisode où je m'enfuis de nouveau. Sauf que cette fois, je sais pas où aller, donc je tourne autour du restaurant en courant. Je tourne. On dirait qu'une certaine éponge stupide a voulu communiquer avec les créatures de l'au-delà. Allez, bande de parasites! Aujourd'hui, c'est le boss qui me fait le grand ménage! Et alors, allez, tu balais, toi! Tournez d'où vous venez! Bravo, monsieur! Ne fais jamais de séance de spiritisme sans ma permission. Les fantômes, c'est comme la famille. Si tu les laisses entrer, tu t'en débarrasses plus. Bonjour.
apprend. Mon cher disciple, il est grand temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris en lui fichant la peur de sa vie. Avec grand plaisir. Ah, qui est là? Ah non, ah, est-ce que c'est toi, Bob? Oh, les dents du monstre et de l'ectoplasme visqueux. Ça fait des points, ça. C'était une jolie frousse, matelot. Oh, quel cauchemar épouvantable. Heureusement que je t'ai, Clarinounette. Tu me protèges des monstres. Donne-moi ça, Clarinounette. J'ai ramassé un objet. Je peux ramasser des objets. Regarde-toi. Dans ce cas, on passe à la dernière leçon. Oui, j'ai compris, c'est pas la peine. Je ne me souviens pas d'avoir laissé les lumières allumées. Oh, oh là là. On peut pas laisser sa carcasse à l'abandon 10 minutes dans cette ville. Et maintenant, si quelqu'un souhaite partager un souvenir qu'il a eu avec Sheldon, il peut prendre la parole. Sheldon était petit, né verdâtre et brillant. Ça va aller. Allez, ça va. Berk. C'est l'enterrement le plus lamentable que j'ai jamais vu. J'ai hâte de voir la tête de ces imbéciles quand je vais reprendre mon corps et bondir de cette table. C'est trop tard pour repartir dans ton corps. T'es mort, vieux dodo. Ça va pas, la tête? Tu sais bien que je suis pas mort, c'est temporaire. L'animation de mon corps est simplement suspendue, voilà tout. Si j'ai bien compris, ça c'est un navire sans capitaine. Ça fait un bail que j'ai pas habité un corps. Tu ne peux pas faire ça, on parle de mon corps quand même. Plus maintenant. Hey, je suis vivant, quel soit d'être parmi vous. Plankton est vivant. Génial! Je le savais! Il est en vie! C'est pas possible! Allons les crapouiller! C'est horrible! Je peux pas voir ça! Ah, sans ça, il y a un bon paquet de gens en rogne. Je pensais jamais dire ça, mais vaut mieux être mort et à ma place que vivant et dans ton corps. Salut! Oui? Et voilà. Ça fait du bien de retrouver son corps. Il est là! Salut tout le monde. Ça vous dit une histoire de fantôme, hein? Alors, on va se marrer. Oui, encore. C'est bien des crombies. Aïe. Oh oui, encore. Papino! Richiama tua figlia Crab e dille di starsene a cuccia. Ormai è grande, non mi dà più retta, fa sempre quello che le pare. Ti consiglio di stare attento perché oggi sembra più affamata che mai. Stai indietro, balena. So cosa ne fai dei piccoli organismi come me. L'ho visto in un documentario. È entrato
tutto nella cella frigorifera? No comment. Io comunque preferisco l'insalata al plankton. Non sapevo avesse tanta fifa delle balene. Perla, preziosa figliola mia, hai salvato i miei affari e anche la formula. Ora liberaci, forza! Prima la paghetta! E va bene, sanguisuga, stai assomigliando sempre più a tuo padre. Grazie mille! Perché non fai un salto al ciambac e ti fai prendere un bello spavento a Plankton? Allora doppia paghetta! Dalle tu i soldi? Certo! Comprati qualcosa di carino. Ehi, ma questi non sono soldi! No, sono anche meglio! Le banconote con cui mi paga tuo padre. I dollari matti di Mr. Crab. Mi sono dato la zappa sui piedi. Io in cambio ti farò i compiti. Non ne ho voglia! E poi il Chum Bucket non è un locale chic. In questo caso, allora, dovrò prendere in prestito uno dei tuoi vestiti. Perché? Ecco mio marito che torna trionfante. Un'altra disfatta? Creba una balena! Ma chi? Quel brutto pachiderma adolescente di sua figlia? Ho colto una sottile ironia nella tua voce. Non mi è piaciuta per niente. Ricordi cosa accadde ai miei parenti quando incontrarono quei mostri? Ho capito, quando avrai finito di farti le tue assurde paranoie, vai a gettare la spazzatura. È straripante. Vieni, bocconcino! Dovrei essere al sicuro? Mi è venuto un forte appetito di plankton! Per mille protozoi! Karen! È qui! È riuscita ad entrare! Che cosa stai farneticando? C'è quella balena nel laboratorio! Ma sei impazzito? Vai a controllare tu! Qui non c'è nessuno! È vero! L'ho vista con i miei occhi, era lì in fondo, vicino al trasmutatore! Si trovava esattamente qui, accanto a me! Aveva la bava alla bocca e respirava da quel buco che ha in cima alla testa! Basta! Stai esagerando! Ora, se puoi scusarmi, devo andare a svolgere funzioni binarie più importanti! Aspetta! Cara! Non ti ascolto! Bla bla bla! 16 giorni e infinite paranoie dopo. Sì, ti ricevo forte e chiaro. Me la porteresti qui? Non posso rischiare di uscire allo scoperto. Quella balena potrebbe vedermi. No, lasciami stare, brutto cetaceo. No! No! Oh, ciao, Plankton! Su, unisciti al resto della famiglia! No, no! Già, sei molto coraggiosa a fare il bagno nei succhi gastrici! Succhi gastrici? Basta, non resisto più. Mi sta facendo impazzire. D'abord, les lumières commencent par s'éteindre, puis se rallument. Ensuite... Pardon, je peux avoir du ketchup? Oui, tenez, voilà. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, bien sûr. Et enfin, numéro 3, Marcel débarque dans le fantôme du maudit bus qui lui est passé dessus. Il descend du bus, puis il traverse la rue sans regarder avant si une voiture est sur le point d'arriver. Il s'en fiche puisqu'il est déjà... en enfer. Ensuite, il tape à la fenêtre avec sa vieille spatule dégoulinante de graisse. Non. Puis il ouvre la porte. Il s'avance lentement jusqu'au comptoir. Et alors, tu sais ce qu'il
fait juste après. Quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Tu es certain de vouloir le savoir? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il t'attrape! Ah! 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 Je rigole! Calme-toi! Bob, arrête! Je voulais juste... Mais c'était une... Ferme-la! C'était une blague! Quoi? Je t'ai menti, toute l'histoire est fausse! Vraiment? Mais évidemment, tiens, personne n'a de spatule en guise de main, j'ai tout inventé, je te le jure! Oh! Non mais regarde-moi cette salle, on se croirait dans une ville fantôme. Bravo, c'est très drôle, continue. Pardon? Les lumières qui s'éteignent et qui se rallument, comme dans l'histoire de Marcel. Étrange. Carlo, comment t'éteins les lumières sans toucher au bouton? J'y suis pour rien, moi. Il doit y avoir un court-circuit quelque part, je sais pas, moi, l'installation n'est pas capable de tenir 24 heures sur 24, voilà. Quoi? Quoi? Allô? 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 Bien essayé, je meurs de peur. De quoi tu parles? Le téléphone sonnera, mais n'y aura personne de l'autre côté. Tu m'auras pas. Mais non, je te jure, j'y suis pour rien, là. Bon. Calme-toi, calme-toi. Bon, récapitulons. Il y a eu les lumières, le téléphone et les murs qui suintent de la purée verte. Non, minute, ils font toujours ça. C'est quoi le dernier signe déjà? Je savais pas que les bus passaient si tard. Moi non plus. Un passager est descendu. C'est Maurice! Non, pardon, Arlette, Raoul, Paulette. Le nom que tu cherches, c'est Marcel. T'en aura fallu du temps, dis donc, on est fichu. Non, je pleure pas pour ça. Je suis tellement ému que t'aies pris la peine de trouver un déguisement de fantôme et que t'aies détourné un bus pour jouer le rôle du méchant fantôme et tout ça pour me faire passer le temps. Tu dois vraiment m'aimer. Bob, il y a deux problèmes avec ta théorie. Je te hais, tu le sais. Et deux, comment veux-tu que ce soit moi alors que je suis ici devant toi? Marcel, le roi de la spatule. Au secours, la spatule tourne de la spatule. J'ai peur. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, Bob. Je voulais te dire que je t'aime bien finalement. Pardon, j'ai utilisé ta clarinette pour déboucher les toilettes. Quoi? N'approchez pas, non, pitié, ne vous faites pas de mal, pitié. Je voudrais postuler pour un travail. J'ai apporté ma propre spatule. J'ai appelé tout à l'heure, mais j'ai raccroché tout de suite, j'étais trop nerveux. Et vous avez des références? Une seconde, si c'était vous au téléphone et vous dans le bus, qui est-ce qui s'est amusé avec les lumières? Alors ça, c'est pas bien. Oh, oh, je suis le Hollandais volant. Ouais, et moi je suis le meilleur copain du Hollandais volant. Vous ne voulez pas prendre quelques bonbons? Il a eu la peur de sa vie. C'est en déguisement qu'il lui a donné un coup. Ah bon, tu crois? Oh, sans aucun doute. Il a même failli en perdre ses bretelles. À qui on va faire peur maintenant? Le capitaine Krabs a réuni quelques amis et ses meilleurs clients au crabe croustillant. Et si le Hollandais volant débarquait à la soirée sans avoir été invité? Ouh, attention, on n'est pas seul. Oh, oh, c'est moi le Hollandais volant.
J'adore ce genre de petite sauterie informelle. J'ai découpé mon costume dans un journal. Oh, papa, arrête! Tu me fais honte devant tous nos amis! Oh! Bonsoir, Carlo! Oh, pardon! Monsieur le fantôme, c'est sympa cette fête! Tu es censé être déguisé en quoi? Je suis un poisson rouge dans son aquarium! Ah, je voyais pas ça comme ça! Si tu es prêt, on peut y aller. C'est bon, vas-y. Éteins les lumières. Oh, 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 oh. C'est moi, le volant des volants. Donnez-moi vos âmes. Aidez-moi! Je ne suis pas Bob l'éponge! Ce sont mes vêtements de tous les jours! Soyez gentil, faites-moi descendre! J'ai le mal de mer! Silence! Vrai, Hollandais volant, et faites-vous sur nous. Ouais, je ne sais pas marcher sur la terre ferme, je suis né sur la côte hollandaise. Laissez-moi vous confier un petit secret. Je suis venu pour voler vos armes. Silence. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mes créants. Parce que chaque année, vous êtes nombreux à vous habiller comme moi. À force, mon nom est devenu un vulgaire sujet de rigolade. Mais c'est pas pour cette raison que je vais vous voler vos armes. Non, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car de tous les déguisements de fantômes que j'ai vus dans ma vie, le tien est le plus insultant. J'en déduis que je ne vous fais pas peur. Toi, me faire peur? Laisse-moi te donner une leçon sur ce qui fait peur, petit. Il y a pas mal de choses terrifiantes au fond des océans. Les araignées, par exemple. Quoi encore? Et moi, je suis effrayant. Toi, petit, tu n'es pas effrayant. Très bien, et maintenant, finissons-en. Hein. Bob, au secours! Pour commencer, tu vas m'enlever ce costume ridicule. Hé, hey, vous vous rendez compte? Je lui ai fait peur. Oh, l'or des volants! Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je suis coincé ici jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Alors, j'ai décidé de venir te rendre. Carlo, vite, ouvre-moi vite, à l'aide, au secours, Carlo. Ah ben, t'es là, tu dois m'aider. Il y a un énorme fantôme dans ma maison. Désolé, Bob, combien de fois faudra que je te le répète? Je ne crois pas aux fantômes et je ne t'ai jamais aimé. Patrick, tu dois m'aider, Non. Gary. Je suis une antenne de Gary. Oh, je voulais juste domestiquer le petit animal. Voilà, gentil. Je te ferai pas de mal. J'adore les petits escargots. Ah,
Je trouve que rien ne vaut une bonne frayeur. Tout va bien, Gary. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Bonne nuit, Gary. Question, ça va durer encore longtemps? Quoi, je ne te fais plus peur, dis-moi. Eh bien, vous êtes ici depuis un moment et je connais tous vos trucs maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais très bien que je suis fini. Je fais toujours les mêmes numéros depuis des années. Effrayé, c'est un jeu bon pour les jeunes. Il est temps de rendre ma barbe de fantôme. Je prends ma retraite. Non. Je voulais dire que je m'étais habitué, c'est tout. Ne raconte pas d'histoire. Vous pouvez faire peur à n'importe qui d'autre que moi. Oh. Allez les filles, dans vos chaussons. Doum 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 doum. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Maman? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ta mère? Carlo adore sa maman. Pourquoi tu ne m'as pas appelé alors? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai entendu dire que tu ne croyais pas aux fantômes. Fantômes? Je suis Roland des volants. Quoi? Mais c'est idiot, les fantômes n'existent pas. Ils n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Quoi, Bob? Ça fait peur! Non! C'est impossible! Te hanter jusqu'à la fin des temps, et puis encore après. Ouais, dis donc, il a cassé l'ambiance. J'aurais jamais dû leur prêter ma tondeuse à gazon. Bonne nuit, Patrick. Oh, c'est fou ce que c'est fatigant d'être un fantôme. Bonne nuit, mon pote le fantôme. C'est bizarre. Comment je fais pour entrer? En fait, c'est très pratique. Oh, je suis crevée. Bon, inutile de prendre les escaliers. Ah.
Salut Patrick, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Moi j'ai pas dormi du tout, je voyais à travers mes paupières. Tu comprends? Mes paupières! Ah, je suis en retard au boulot! Mes paupières. Mais voilà, monsieur Krabs, je suis là! J'ai vu une sirène! Et bon, j'étais en retard, pourquoi tes verres brillants? Et qu'est-ce qui t'est arrivé aux jambes? C'est un fantôme, monsieur Krabs. Un fantôme? Tu sais encore faire mes pâtés? Bien sûr, monsieur Krabs. Alors va vite prendre tes quartiers dans la cuisine. À vos ordres, monsieur mon employeur. Merde. La 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 la. Patrick, je veux qu'on arrête ce jeu. Je veux arrêter aussi. Je ne peux rien manger. La nourriture traverse mon corps sans s'arrêter. Ce bonhomme bizarre peut peut-être nous faire redevenir comme avant. C'est ça. On va retourner voir le Hollandais volant. Ouais, au moins j'ai gardé toute ma personnalité. Faites-nous redevenir comme avant. On n'aime pas être des fantômes. C'est pas bien d'être un fantôme. Pitié, monsieur le Hollandais. On n'en peut plus. On est toujours à se plaindre. On est toujours à gémir. Ah, quand on est invisible pour tout le monde. Et on vit dépossédé de notre âme. Et que c'est pas très drôle. Comment on peut vivre comme ça? Vous avez compris ce que j'éprouvais, hein? Je vais vous ôter cette malédiction. Dites, vous n'avez pas réussi votre coup? Si, si, seulement la malédiction s'arrêtera lorsque ma barbe aura repoussé. Ah oui, mais on veut redevenir normaux maintenant. Et moi j'ai mon rendez-vous maintenant. Et vous êtes en train de tout faire foirer, espèce d'idiot. On est encore des fantômes parce que vous ne pouvez pas y aller. Et vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes trop laid. Transformation. Merci les gars, superbe cette barbe. Bon allez, je file à mon rendez-vous. Eh, hey, m'attendez pas, hein. J'ai pas pigé. Quelques mois plus tard... Elle veut se marier avec moi, mais je suis pas le genre de type à me marier.